Bon. Yes. Ok, let's go. We're live. Hello tout le monde, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Donc on est encore pour une nouvelle TweetCam avec les Tokyo Hotel, on a la chance de les recevoir. Ils seront ce soir chez Koé à partir de 19h. Vous nous avez laissé beaucoup de questions sur le Facebook et le Twitter d'énergie. On commence tout de suite. Hello guys. Hi. Hello. Enfin, Elsa will translate because my English is not very good. On va commencer tout de suite. Alors, il y a des questions, il y a eu beaucoup de questions sur le nouvel album. Lots of questions about the new album. Okay. Et beaucoup de questions sur le temps aussi que vous avez passé entre ces deux, entre le dernier et le nouveau. And lots of questions about what you've guys been doing, you know, since the last album. Alors la première question, c'est une question qui demande qu'est-ce que vous faites du coup quand vous ne faites pas de la musique. C'est quoi une journée classique? What's a regular day in your guys' life when you're not doing music? It would be to drinking, smoking. No, no, we get up and we like take the dogs for a walk. We do that every day, and then you know we do something with our friends. We go out. I party a lot. I go out a lot. Bill fait beaucoup la fête. Il se lève déjà. Il promène leurs chiens. Ça c'est un truc qu'ils font tous les jours. Et donc Bill nous disait qu'il fait beaucoup la fête. Okay. Go to the gym. Ils voient leurs amis. Ils font du sport. Très bien, très bien, très bien. Ben ça se voit, ils sont devenus vachement plus matures et vachement plus mûrs. Ça se ressent beaucoup dans leurs chansons. You guys have become more mature and you can tell in your songs. Il y a quelqu'un qui demande où est-ce que vous aimez écrire. Someone wants to know where you guys like to write from. To write. Where do you like to be when you're writing songs? Oh, where? Mm-hmm. I write everywhere. So I write like as soon as I have an idea, I write it down in my phone. I write it down on my laptop. Sometimes I like to just take a pen because I don't like all the electronic stuff. So it's even fun to just have, you know, a piece of paper and a pen and just write things down. Okay. En fait, il écrit d'un peu n'importe où là où il vient des idées. Donc il peut en noter une sur son téléphone, sur l'ordinateur. Il se balade avec un stylo parce que des fois justement il aime bien écrire à la main. Ouais. Mais ça peut être n'importe où en gros. Il n'est pas trop nouvelle. Ouais, il n'est pas trop truc électrique, c'est pour ça qu'il préfère avoir électronique, pardon, il préfère avoir un stylo. Ok. Sur le nouvel album, il y a beaucoup de tendances pop électro. Quelqu'un demande, est-ce que c'est d'où viennent ces nouvelles influences? It's a lot of pop and electro influences on the new album. Where is that from? Where did that come from? That is from the nightlife in LA, because we've been out so much and we've been, you know, on festivals, so it's a lot influenced by DJs and, you know, the nightlife in general and. I do like electronic music as well, so you know I like Robin and stuff like that. Il aime beaucoup la musique électro, Robin, des trucs comme ça. Ça vient beaucoup de la vie nocturne à Los Angeles parce qu'ils sortent beaucoup, ils ont fait des festivals, donc ils ont vu pas mal de DJ, donc ça vient de là. Ok, ok. Il y a beaucoup de questions. Il y avait beaucoup de questions sur leur vie à Los Angeles et tout. Ben du coup, on a compris. Ils sortaient beaucoup. Lots of questions about your life in LA, so we know that you party a lot, you go out a lot. Okay. Il y a Lena qui demande qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans les tournées en groupe en fait. What have you guys missed the most from touring as a band? I think just to see like the fans and have that energy to be on stage and actually make music, you know. Voir les fans. And see some boobs in the first row. Voir les fans, voir des seins au premier rang et l'énergie justement qu'ils ressentent quand ils font leur concert. Très bien. On ne traduit pas ce qu'il a dit, hein. Tout le monde aura compris. Si, je l'ai dit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si, je l'ai dit. Je l'ai traduit. Alors, il y a quelqu'un qui demande, vous qui êtes si perfectionniste, comment avez-vous su que l'album était terminé? You guys are very, very perfectionist, so how did you know that the album was, you know, ready and prepared? You know, it took us 5 years. Mais ils ont mis 5 ans, justement. So we really didn't want to make any, you know, compromise. So we wanted to be happy with every single song and we wanted to have such a strong record that we could possibly put out every song as a single. So we just wanted to make the best possible album and that took a while. And then because Tom and me produced it, we were also the ones that said, okay, now it's done and we gave it to the record. Ouais, comme c'est lui et Tom qui l'ont produit en plus, c'est eux qui ont pu dire, voilà, c'est bon, là c'est fait, on le sort. Et en même temps, ils n'ont pas voulu faire de compromis, ils ont voulu que chaque chanson puisse être assez puissante pour être un single. Ouais. Donc c'est pour ça que ça a mis du temps. Très bien. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que Pumba a une chanson préférée sur l'album. Pumba a besoin de sortir apparemment. He's farting the whole il n'arrête pas de péter. Yes. Et entre deux paix, est-ce qu'il y a une chanson préférée? Pumba? Ouais. Between two farts, does Pumba have a favorite song of your album? Pumba loves. I think he likes the ballads, so I would think il aime bien les ballades de Pumba. Yeah, so Invaded and Run, probably. Voilà.
Il y a une fan qui demande à Gustav et à Tom quand est-ce qu'ils vont ouvrir leur compte Instagram. Fan wants to know when Gustav and Tom are going to open their Instagram account. I'm going to open mine if I have 1 million followers. Ah, lui le fait s'il a 1 million de followers, pas avant. Ok, bah, voilà, le message est lancé. D'ailleurs, en parlant de followers et de tous les réseaux sociaux, on a vu que vous aviez monté une chaîne de télé sur YouTube. Est-ce que c'est important pour vous de donner tout le temps aux fans comme ça? You guys created your TV channel on YouTube. Is it important for you to constantly, you know, communicate and give a lot to your fans? Yes, it is. Yeah. We all love Tokyo Hotel TV because we don't have to do anything. We're just stupid and doing what we do. Ouais, c'est important pour eux. En plus, ils adorent cette chaîne de télé qui s'appelle donc Tokyo Hotel TV parce qu'ils ont besoin de rien faire. Ils sont là, ils font les cons et c'est filmé. Bah, c'est très bien. C'est très bien. On aime beaucoup la regarder. Est-ce que quelqu'un veut savoir, est-ce que Tom a une nouvelle idée de tatouage? Does Tom have a new idea for a tattoo? Yes, I want to get a portrait of my dog. Il aimerait bien se faire tatouer le visage de son chien. Où? Le visage de the dog. Oui. What part of your body, do you know? I don't know, maybe like stomach. Peut-être sur le ventre, il ne sait pas encore. D'accord. On passe un petit bonjour à toutes les personnes qui sont là. Hein, si on embrasse Annabelle. Hi, guys. Hello tout le monde, toutes les personnes qui laissent des messages. N'hésitez pas à laisser des messages en anglais. Comme ça, ils pourront les lire en direct. Il y a quelqu'un qui demande aussi que votre base de fans est toujours présente. Est-ce qu'ils considèrent que c'est les meilleurs fans ou pas? Your fan base is, you know, still here. Do you guys consider it's the best fans in the world? Oh, sorry, I missed that question. Say your fan base is still here. Do you guys consider it's like the best fans in the world? Oh, for sure. Yeah. I mean, it's you know, for us, it's totally crazy because we haven't done anything in so long. So it's like, it's overwhelming. I mean, we never expected, you know, so many people waiting for us. It's like, it's crazy. Ouais, ils en reviennent pas eux-mêmes qu'autant de fans les aient attendus parce que ça fait un petit moment qu'ils ont rien fait. Donc, bien ils sûr. Disent que c'est une évidence que ce sont les meilleurs fans du monde. Évident. I mean, we were always known as the band with the most incredible fans. So oui, en même temps, il dit, on a toujours été connus pour être le groupe avec les meilleurs fans. Oui, c'est vrai. Donc, ils l'ont à nouveau prouvé, les fans. Voilà. Parfait. Je pense qu'ils vont être contents d'entendre ça. They're gonna be happy to hear it. Est-ce qu'ils peuvent décrire l'album en un mot? C'est une question qui est beaucoup revenue. This question we got a lot. If you guys were to describe the album in one word, what word would you use? Genius. Génie. Fantastique. Fantastique. Abwechslungsreich. There was a joke. What's the English word for that? Il cherche le mot en anglais. There's not one word for it, probably. There's not one word for it. Non, il n'y a pas un mot pour ce qu'il vient de dire en allemand. Et c'est quoi le mot en allemand? What's the word in German again? Abwechslungsreich. It means it's like, you know, there's just like so many different, it has so many different styles. So you get like a lot of different styles of songs. En fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de styles différents dans l'album. It changes a lot, yeah. Ok. Et du coup, quelqu'un demande quelle est leur chanson préférée. And what's your favorite song off the album, if you have one? We Found Us. We Found Us. Yes. Feel It All. Feel It All. Louder Than Love. Voilà. Ok. Chacun a son petit goût. Ouais. On vous propose d'écouter la web radio Energy Tokyo Hotel pour découvrir tous les titres si vous ne les avez pas encore découverts. Est-ce qu'une tournée est en préparation? Alors là, il faut leur dire que le monde entier les attend. Yeah, the entire world is waiting for you guys. Is there a tour planned? Yes. Yeah, we're like talking about dates right now. We are figuring out like where to play and when. But we're definitely touring next year, so I think we're going to start in spring. C'est en préparation, ils en parlent en ce moment même, mais c'est sûr qu'il y aura une tournée qui va sans doute démarrer au printemps prochain. Mais voilà, ils en parlent en ce moment même. Ok. Ils ont été connus au début pour chanter en allemand, et il y a Tom qui demande, est-ce qu'il y a une version allemande de l'album qui va voir le jour? You guys were known for singing in German at first, so Tom wants to know if there's a German version of the album that's going to come out. No. Non, a priori non. Okay. No, we decided for this record, we decided to keep the songs like we wrote them. Mm-hmm. So we created all the songs in English, so we're going to keep them in English. If we write a German song, we're going to keep it in German. Ils ont voulu conserver les chansons telles qu'ils les ont écrites. Donc ils les ont écrites en anglais. S'ils écrivent une chanson en allemand, elle sortira en allemand. Parfait, ce sera une autre chanson. Quoi. Voilà. Ok. Du coup, maintenant qu'ils parlent pas un parfait anglais, est-ce qu'ils ont appris à parler un parfait français? Now that you guys are very good in English, have you learned to speak French? No. Un petit peu. Est-ce que tu peux dire quelques mots? Je me parle très bien en français. Ok, cool. Voilà. Parfait. Vive la France. Ah, voilà.
Il y a beaucoup de questions sur le look. Lots of questions about your look, your style. Pourquoi ce changement de look radical? Est-ce que c'est avec la maturité? Est-ce que c'est la nouvelle chanson? Why this change in your style? Is it because you guys, you know, are older? Because your musical style has changed? I think it's like, you know, I just like to change, you know, change it up and have, like, I was always interested in fashion, so for me that's the most fun part, to, like, you know, have different costumes on stage and just to, like, change every day and play with fashion. And for me, it's just a part of, you know, the whole music thing. It goes, like, hand in hand, and that was always a part of it. So I just like to change it up. Bill, il adore, en fait, la mode. Il adore se changer, changer de costume sur scène, tout ce qui touche à la mode. Et pour lui, ça va de pair avec la musique. Donc, voilà, il aime bien changer et varier un peu les plaisirs et faire des trucs nouveaux, tester des trucs nouveaux. Donc, c'est peut-être pas le dernier style de Tokyo Hotel, du coup. So maybe there's going to be other styles that we can expect. Oh, yeah. Yeah. For sure. C'est sûr, yeah. C'est sûr. Y a une question qui est revenue souvent aussi. Qui a eu l'idée de la pochette avec la souris? Who had the idea for the cover of the album with the mouse on it? Oh, me. That's a single. Oh, ouais, c'est un single. C'est pas l'album, ouais. Et donc, de quoi il s'est inspiré? How did you get the idea? I was surfing in the internet and I was watching porn and, you know, checking out some stuff. Okay. And I found this picture, yeah? And I thought it's really funny. And so we bought the picture and we created an artwork. Écoute, il était sur internet, tout simplement, il regardait du porno, d'autres trucs, et il a vu cette photo, donc ils l'ont acheté parce qu'ils l'ont trouvé génial et ils ont créé un visuel autour de ça. Ok, eh ben, tout le monde va savoir. Du coup, il y a quelqu'un qui veut savoir quelle est la chanson que vous chantez sous la douche. What is the song you guys sing under your shower? Alle meine Händchen. Love Loves Back. Do It Again from Robin. Ok. On a vu tout le monde regarder sur internet, hein, toutes ces petites chansons. Ouais. And you? I never sing. Ah, ils chantent pas. Ok. La dernière question, en fait, est-ce qu'ils peuvent... alors, attendez, celle-là, j'ai déjà posé, je suis un petit peu troublé. Bah écoutez, j'ai posé toutes les questions. J'ai posé toutes les questions qu'on avait sélectionnées. On va essayer de regarder un petit peu les questions en direct. Bon, tout le monde vous dit qu'ils sont très beaux. Everybody tout le monde... says you guys are very good looking. Okay. That's good to hear. Thank you. Ben, okay. Merci, c'est agréable à entendre. On embrasse tout le monde. On va vous dire à bientôt les Tokyo Hotel. Thanks guys. Et parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. En tout cas, ce soir, vous allez retrouver les Tokyo Hotel chez Koé à 19h sur Energy. J'invite tout le monde à écouter. Et j'invite aussi tout le monde à aller sur la web radio Tokyo Hotel, sur la energy.fr. Vous allez pouvoir écouter tous leurs titres, tous leurs anciens titres et surtout les nouveaux titres. Merci à tous les gars. Thank merci you, beaucoup. Merci. Ok. Merci. Okay. Thank you. On embrasse tout le monde. Bye. 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 Bye.